109 de coefficient, un seau, des bottes, un râteau, et la plage devient un immense terrain de jeu. Chasse au trésor, jeu de piste ou de hasard, c'est selon. Mais attention, à chaque discipline, ses règles. Depuis cette année, celles de la pêche à pied ont changé en Charente-Maritime. L'association IOD se charge de passer le mot. Il faut savoir qu'avant, le panier, c'était 5 kg maximum, toutes espèces confondues. De coquillages. Et maintenant, il y a des espèces qui ont été revues à la baisse en termes de quantité. C'est notamment le cas de la coque, où la quantité maximale maintenant est de 2 kg par pêcheur et par marée. Coque, mais aussi palourdes et praire. Désormais, il vous faudra limiter un peu plus la pêche de ces coquillages très sensibles. Pour nous, ça va dans le bon sens, puisqu'effectivement, 5 kg, c'était quand même des quantités relativement importantes. La meilleure quantité, ça reste de se limiter à la consommation du jour. Donc 2 kg de coque, 200 palourdes, ça reste des quantités qui sont raisonnables et qui sont en accord avec l'état des gisements actuels pour assurer leur renouvellement. Autre critère, la maille en clair, la taille du coquillage qui vous permettra de sélectionner les spécimens adultes. Donc là, la maille de la coque, elle est ici, elle est à 2,7 cm. Donc ce qu'il faut faire, c'est poser le coquillage à plat. S'il passe à travers du trou, c'est qu'il est trop petit. Donc dans ce cas-là, il faut le relâcher. Mauvaise pioche pour ce couple de pêcheurs. La pêche du jour paraît bien jeune. Je pense que je vais mesurer tout ce que j'ai dans mon seau et puis on en jettera le quart, mais c'est pas grave. C'est important, je pense, pour garder notre planète. D'autres ont eu plus de chance. Ah, mais vous avez une belle pêche, hein, en termes de taille, là. C'est... Hop, voilà. Donc là, on a une belle palourde maillée. Ce dimanche, pour les grandes marées, 5000 pêcheurs à pied se sont relayés sur l'île d'Oléron. Une activité à pratiquer sous haute vigilance. À Noirmoutier, ce week-end, un jeune homme est décédé, piégé par la marée montante.